Good morgen, allez, Idan et Tusra aujourd'hui, le Nishmat Avram Chayen Orberman Fortune, Mazal Ididabet Esther Yakov Nissim Melchana et Sol Vanish Levet Delma. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sérat Kedut Perek Vet Mishna Gimel. Chamisha Mevin Korban Echad al Averot Arbe. Ve Chamisha Mevin Korban Ole Ve Yored. Eilu Mevin Korban Echad al Averot Arbe. Haba al Ashifra Biot Arbe. Ve Nazir Shenitma Tum Ot Arbe. והמקנה לאשתו על ידי אנשים הרבה, ומצורע שנתנגה נגעים הרבה. Deuxième sujet, entre parenthèses, dans la Mishnah, qui est « Evit sepura venitnaga lo alulo, ad sheyavi et chatato, Rabbi Yehuda Omer, ad sheyavi et hashamo. » De manière générale, la Masechet Kritout évoque les circonstances pour lesquelles il faut apporter des korbanotes, en entrant dans tous les détails, toutes sortes de transgressions, toutes sortes d'impuretés qu'il va falloir purifier et finir la purification avec des korbanotes. C'est le principe de la Masechet Ketout. À la différence de toutes les autres Masechet de Kochim, on s'intéressait plus à comprendre comment apporter un korban, comment le sanctifier, comment se comporter avec la Kdusha. Là, on se concentre sur les motifs, d'accord? Les motifs pour lesquels il faut apporter des korbanotes. Et donc, depuis maintenant quelques Mishnayot en arrière, on découvre plusieurs généralités. La Mishnah les a classées selon des thèmes, des similitudes. Et notre Misha commence en disant Hamisha Mevin Korban Echad à la Verotarbe. Cinq personnes devront apporter, se contenteront d'apporter un seul Korban sur plusieurs Averot, plusieurs transgressions. C'est-à-dire, de manière générale, on aura l'occasion de l'évoquer beaucoup plus longuement, mais une personne qui va transgresser plusieurs fois une Avera, cas classique, s'il a réalisé entre temps, par exemple, il y avait Shabbat la semaine dernière, il a oublié que c'était Shabbat, il a allumé le feu. Shabbat la semaine d'après, il a oublié de nouveau que c'était Shabbat, il a encore une fois allumé le feu. Puis après, il a oublié, il ne savait pas que c'était interdit d'essorer le chiffon pour nettoyer la table, il l'a mis sous l'eau, il a frotté, il a encore une fois transgressé. Alors, en général, il faudra apporter un korban sur chacune des fautes. Il y a plusieurs règles, c'est assez vaste et complexe, pas très complexe, mais en tant qu'il y a des principes à bien expliquer, on les découvrira plus tard, mais en tâchant dans les détails. Pour le moment, on commence avec la situation facile, qui est justement celui qui va transgresser plein de fois la faute, et malgré tout, qui ne devra apporter qu'un seul korban. Il y en a cinq. Donc c'est ce que la Mishnah commence à me dire. Hamisha, cinq personnes. Mevin, korban et chad apporteront un seul korban à la verotarbe, bien qu'ils aient transgressé plusieurs fois la avera, plusieurs fautes. Et aussi, deuxième sujet qu'on va classer, ça va être Hamisha Mevin Korban Ole Veyored. Cinq personnes doivent apporter un Korban Ole Veyored. On laissera ça pour la prochaine Mishnah d'expliquer plus longuement, puisqu'ils seront détaillés là-bas. Et pour le moment, la Mishnah se concentre sur la première partie de l'introduction. Elo Mevin Korban Echad al Averot Arbe. Telles sont les personnes qui devront apporter un seul Korban sur plusieurs Averot. Tout d'abord, Abba al Shifra Biot Arbe. Celui qui va avoir un rapport avec la Shifra, avec la servante, plusieurs fois. En fait, comme ce qu'on avait expliqué hier, on parle de la Shifra Charofa, la servante qui est à moitié libre, ce sera plus détaillé dans la fin du Pérec, qui aura une mission explicite qui expliquera. On parle en fait d'une servante qui est donc désignée, prédisposée pour un homme. Comment c'est possible? En fait, il faut expliquer qu'on parle d'une servante qui est à moitié libre. Et donc elle est à moitié mariée, mais à moitié pas mariée parce qu'elle est encore servante. Et de ce fait, maintenant, celui qui va avoir un rapport avec elle, il transgresse la Vera d'avoir de Shifra Charoufa. Maintenant, c'est une femme à moitié mariée. C'est moins grave qu'une vraie femme mariée, mais c'est plus grave qu'une femme célibataire ou qu'une juste une servante simple. Alors la Torah l'a donné un korban. Et on avait appris dans la Mishnah précédente qu'il devait apporter même le korban, même s'il l'a fait consciemment. Il a transgressé consciemment l'interdit. C'est une première exception à la règle. Deuxième exception maintenant, c'est que même si il a eu plusieurs fois, il a transgressé la même faute, il apportera un seul korban pour toutes les fois. Par contre, maintenant, précise, c'est la Gemara qui le dit. Si toutefois il a eu des rapports avec deux femmes qui étaient dans le même statut, il devra apporter pour chaque femme, il devra apporter de nouveau un korban. Ensuite, Abba, ça on l'a fait. Nazve Nazir, Shenitma Tum Otarbe. On a expliqué, le Nazir, c'est le Nazir, celui qui a pris sur lui pendant 30 jours de se sanctifier, ne pas s'impurifier, ne pas boire du vin, ne pas se couper les cheveux. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti, même consciemment, il est parti s'impurifier. Il est entré au cimetière. Il n'avait pas le droit de s'impurifier avec les morts, spécifiquement, je crois. Ouais, que les morts. Et donc, il est parti au cimetière, et il a transgressé l'interdit.
Et la Mishnah, et donc pour ensuite, pour pouvoir reprendre sa Nézirut, il devra tout d'abord apporter un rituel de Korbanot, essentiellement Korban Khatat, et ensuite, donc d'abord premièrement se purifier, la purification dure 7 jours, le 8e jour il devra apporter un Korban, et redémarrer le compte de sa Nézirut, reprendre sur lui maintenant les 30 jours de Nézirut. Et sur ça, entre parenthèses, et plus qu'entre parenthèses, ça va être nécessaire pour expliquer la Mishnah, mais je le dis tout de suite, il y a une discussion, est-ce qu'il recommence à compter les 30 jours depuis le 7e jour, c'est-à-dire, comme la Torah le dit, la Zaha, lorsqu'il va vouloir se purifier, pour se purifier, il faut asperger le 3e jour et le 7e jour. Le 7e jour, il va se remplir au mikvé, et là il est dvoulium, il a un statut. Une fois qu'il a fini la Zaha de se faire l'aspersion, là, il se remplit au mikvé, et puis jusqu'au soir, il a un statut de à moitié pur, mais pas complètement, il ne peut pas encore manger des korbanot, il devra attendre le lendemain pour apporter ses korbanot. Pour ensuite pouvoir entrer en Beth Amigdash et manger les korbanot maintenant. Il y a une discussion, est-ce qu'il recommence les décomptes de la Nézirut depuis le 7e jour ou depuis le 8e jour? La Mishnah va selon l'avis, on va expliquer pourquoi. C'est pas fondamental, mais c'est nécessaire pour mieux bien comprendre la Mishnah. La Mishnah va selon l'avis qui pense que depuis le 7e jour, il peut recommencer le décompte de la Mishnah, de la Nézirut. Et donc d'apporter les korbanot le lendemain. Maintenant, si, une fois qu'il a recommencé le décompte de la Nézirut, donc le 7e jour, il s'est purifié, il a déjà les korbanot, demain matin, il monte au Beth Amikdash, il fait les korbanot, et puis, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh bien, le soir même, c'était plus fort que lui, il est reparti chez Rabbeinu à Breslev, et à Ouman, et puis il est rentré au cimetière, à Rajbi, enfin peu importe, il est rentré au cimetière, et il s'est impurifié de nouveau. La Mishnah m'enseigne que, dans un cas pareil, il devra apporter un seul korban sur toutes ses impuretés. On va dire, bon, tu t'es impurifié, t'as encore une fois cassé ta Nézirut. On est reparti pour un cycle de 7 jours de purification. Et après, le 7e jour, le soir, la veille du 8, avant d'apporter ses korbanot, rebelote, encore une fois cette fois-ci, il va au kever de Yosef Hatzadik. Il y a plein de kvarot pour chacun. Et selon les tendances religieuses. Et en tout cas, donc il a fait comme ça tous les bêtes. Bon, pour toutes ses impuretés, même si concrètement il a fini un cycle, il a déjà repris sa nouvelle Nézirut, donc il a cassé sa nouvelle Nézirut avec une nouvelle impureté, malgré tout il apportera un seul korban pour tous. Ok? Entre parenthèses, j'ai insisté que quand on parle du cas où il redémarre la Nézirut que après le 7e jour, selon l'avis qui dit qu'il redémarre la Nézirut le 7e jour, parce qu'il y a une évidence que s'il devait attendre le lendemain pour recommencer la Nézirut, alors tout d'abord, selon tous les avis, dès qu'il a commencé le 8e jour et qu'il était apte à apporter ses korbanot, s'il devient impur à ce moment-là, il devra apporter une deuxième série de korban, parce qu'il s'est imposé du premier, il n'était plus Mechusar Kippourim, et puis il est reparti maintenant, et il s'est impurifié de nouveau, il devra apporter une deuxième série de korban. Mais mieux que ça encore, selon l'avis qui pense que la Nézirut, on ne peut la recommencer à le compter que le 8e jour, s'il s'impurifie sur le 7e jour, il est vrai qu'il sera d'accord sur le principe qu'il apportera un seul korban. Mais ça ne s'appelle pas qu'il apporte un korban sur plusieurs Nézirut. Parce qu'en fait, s'il n'a pas recommencé le décompte de la nouvelle Nézirut, alors il est encore dans la même lancée. C'est une seule impureté, donc il doit apporter une seule série korban parce qu'il n'a fait qu'une seule transgression. À la différence de l'avis qui pense qu'il faut apporter, qu'il pourra recommencer le décompte de la Nézirut depuis le 7e jour, dans ce cas-là, il a cassé une nouvelle Nézirut. Et malgré tout, un seul korban va tous les acquitter, d'accord? Ok, c'était clair, j'espère. Donc on a conclu, Benazir chez Nitma Tumotarbe, même si c'est un nazir qui a pris sur lui plusieurs impuretés, je répète très succinctement maintenant, à condition qu'il n'a pas démarré le 8e jour. Parce que si le 8e jour s'est levé, il s'est impurifié après, puisqu'il s'est déjà fait imposer d'apporter les korbanot, alors il devra continuer à il devra apporter une deuxième série de korban. Ensuite, une fois qu'il finira sa purification, il devra apporter deux séries de korban. Maintenant, si, donc là on parle du temps en fait, où il s'est impurifié le 16e jour après avoir repris sur lui la Nézirut. Là on parle, dans tout ce sujet, on parle de la sota. La sota, c'est la femme frivole qui s'isole avec des hommes. Alors d'abord le principe, il est connu de tous. Si le mari l'a déjà une fois soupçonné, et il l'a averti, et la femme elle est repartie isolée. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la maison, mais elle est rentrée. Quelques minutes, suffisamment pour faire la transgression. Et donc du coup, le mari est en droit de la prendre ensuite, et il est témoin, alors il la prend, il la mène au Beth Amikdash, et on va la faire avouer, est-ce qu'elle a fauté ou non. Et si toutefois elle ne va pas vouloir avouer, alors on va faire tout le rituel de la sota, qui consiste à apporter tout d'abord une mincha, une offrande d'orge. Ensuite, on prend
un parchemin sur lequel on écrit la paracha de la Sota, on va l'effacer dans l'eau, on va mettre un petit peu de terre dedans de la Zara, on va les faire boire, et si elle a fauté, alors elle va se décomposer, elle va gonfler, exploser. D'accord? Tous ces membres vont, un après l'autre, se décomposer. C'est la Sota. Maintenant, le mari, il l'a averti face à plusieurs hommes. Et après, elle les a tous faits. Elle s'est isolée avec tous. Le mari va la prendre pour la faire boire les eaux de la Sota pour 5 soupçons en réalité. Malgré tout, la Mishnah enseigne, sache qu'une seule mincha dispense tout le monde. Ensuite, Veha Metzora She'enit Naga Negaim Arbe. Et le Metzora qui a eu plusieurs Negaim. C'est-à-dire, le Metzora, il a un rituel. Le Metzora, c'est celui qui a le lépreux. Il va avoir une tache de lèpre. Il y a tout un rituel. Attendre des fois 2 semaines, 3 semaines, où le Kohen revient voir. Chaque semaine, on voit l'évolution. Jusqu'à que le Kohen va décréter sur lui, bon, ça y est, c'est un Metzora mouchlat, il est totalement décidé qu'il est Metzora. On prononce le verdict, il est exclu des 3 camps. Il reste dehors jusqu'à qu'il arrête sa purification. Jusqu'à que sa tâche disparaisse. Lorsque sa tâche disparaît, il y a un rituel. Il faut apporter d'abord des oiseaux, 2 oiseaux. Et un, on va égorger, on va remplir, on va asperger de son sang avec de l'eau de source, pour s'assurer le Metzora. Et l'autre, on va le renvoyer, c'est un rituel qu'on fait. Une fois qu'il a fini ça, le Metzora, le lendemain, il vient au Beth Amikdash. Et il devra apporter 2 corbanotes. Un Khatat et un Hacham. Maintenant, pour le Korban Khatat qu'il doit apporter, il doit apporter en théorie un mouton. S'il est pauvre, alors la Torah elle laisse la possibilité d'apporter des Torim ou Bneyona, des volailles. Ok? Maintenant, la Mishnah m'enseigne comme ça. Donc, d'abord, pour le moment, on est dans la première partie où il y a marqué « Umetzora Shenit Naga Negaim Arbe ». Tout d'abord, si il y a un Metzora, donc un lépreux, une fois qu'il avait guéri, il avait déjà même fait le rituel à la limite des premiers oiseaux, et le pauvre, il a à peine rentré chez lui, il attendait tranquillement le lendemain matin pour pouvoir apporter ses corbanotes que, au velote, la tâche est revenue. Bon, on appelle le Kohen, on le fait sortir, c'est reparti pour un deuxième rituel. Après, on recommence, on l'apporte. Tout à la fin, il apportera une seule série de corbanotes pour toutes les tâches de lèpre. D'accord? Ça, c'est d'abord, j'ai traduit. Ou Metzora, Shenit Naga, Negaim Arbe, c'est le Metzora qui a eu plusieurs, qui a été touché par plusieurs tâches de lèpre. Les Nega, c'est une Goa, ça veut dire touché, mais ça veut dire qu'il a été frappé de plusieurs lèpres. Maintenant, la Mishnah m'enseigne aussi une halakha. Ce que je vais faire, c'est que je vais la traduire. Elle a un grand problème, cette phrase, c'est qu'elle n'a pas de sens. Elle est fausse. Et le Bartomé Rolon, je peux m'expliquer qu'il faut rajouter des mots. Pour le moment, je vous l'explique vulgairement. Après, on explique un petit peu les petits mots rajoutés. Littéralement, Revit Tsiporav Venit Naga. S'il a déjà apporté les oiseaux, et une fois qu'il a fini le rituel des oiseaux, eh bien, il a de nouveau eu des Negaim. La Mishnah m'enseigne Lo Alulo. Ils n'ont pas fonctionné. Vraisemblable. Hadcheyavi et Tratato, jusqu'à qu'il apporte son Korban Tratat. Vraisemblablement, la Mishnah semblerait me dire que tu sais, s'il a déjà fait les Korbanot, les 2 oiseaux, qu'après il a eu le problème avec la lèpre, eh bien il devra recommencer le rituel de rapporter les oiseaux pour cette première lèpre, rapporter un Korban Tratat individuel, puis, et il devra faire apporter 2 séries de Korbanot. Or, on vient d'enseigner le contraire. Donc c'est pas possible que ce qui est écrit, c'est à lire comme de la sorte. On va expliquer comment est-ce qu'il faut lire. Mais d'abord, je continue d'abord. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne. Hadcheyavi et Hacham, jusqu'à qu'il rapporte son Korban Hacham. En réalité, la Gemara dit qu'on parle d'autres choses complètement différentes. Comme ce qu'on a dit, le Khatat du Metzora, il peut soit apporter une Kisba, un mouton, ou bien, s'il est pauvre, alors il devra apporter de la volaille. Des volailles. Ok? C'est un Korban Olev et Yored. Il y a une question générale qui apparaît dans plusieurs domaines, on avait déjà parlé dans Erchin notamment, à savoir si, à partir de quand on considère qu'on est pauvre. C'est-à-dire, si au moment où on a fait le rituel des oiseaux, il était pauvre. Mais d'ici le lendemain matin, il a fait fortune. Il est arrivé chez lui, il a trouvé un trésor, il est devenu riche. Quel corban il devrait apporter le lendemain matin? Un mouton ou bien des oiseaux? C'est-à-dire, au moment où il a fait le rituel des oiseaux, eh bien il était pauvre. Est-ce que ça a fixé qu'il devrait apporter un corban comme un pauvre? Ou bien non? On va aller selon le moment où tu apportes ton corban khatat. Ou peut-être encore, selon le moment où tu vas apporter ton Korban Hacham. Il y a en réalité 3 avis dans la Gemara, mais là, ici, dans la Mishnah, il n'y en a que 2. Il y a la Mishnah qui nous enseigne,
que si, comme ça il faut lire la Mishnah, et vite, si pora venit naga, s'il a porté ses oiseaux venit naga, je ne sais même pas comment il faudra le lire. Je ne sais pas comment il va falloir faire entrer ça dans les mots. En tout cas, concrètement, je ne sais pas comment faire entrer ça dans les mots, mais non. Loalulo, et en tout cas, ça n'a pas, il n'a pas fixé. Je lis les mots dans la Gemara. Bagma mefarej d'achi katane. La Gemara enseigne qu'il faut lire comme ça. Lo alu tziporim leikava baniut ou bashirut. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot venit naga. Je n'ai pas fait attention avant de préparer mon cours, mais je n'ai pas l'impression qu'ils en parlent. On saute le mot, apparemment, je ne sais pas. Donc, s'il a porté les oiseaux et qu'ensuite, en fait, il a fait fortune ou bien il s'est appauvri, eh bien, lo alu lo, c'est-à-dire, ça n'a pas fonctionné pour le fixer. Est-ce qu'il a un statut de riche ou de pauvre? Hatché yavi khatato, jusqu'à qu'il apporte son khatat. Quand tu reviendras au Beth Amikdash avec ton khatat, là on s'intéressera à savoir pourquoi tu amènes cet animal. Tu es riche ou tu es pauvre? Et selon le cas, on décidera qu'est-ce que tu dois apporter. D'accord? C'est la vie de Tanakama. Et Rabbi Yehuda Omer, Hatché yavi atachamo Rabbi Yehuda. Non, jusqu'à qu'il apporte son hacham. Je veux dire qu'il a deux korbanot à apporter ensuite, le khatat et le hacham. Et pour sa purification, le korban hacham, c'est la fameuse histoire qu'il faudra donner le bon yadoua yamanit, le bon reglo yamanit, Boen val tenour sur le, il faudra donner sur l'oreille, sur le pouce et sur le doigt de pied aussi. Il faudra poser là-bas de ce sang du hacham avec de l'huile du metzora et tout un rituel dans le metzora. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que non. Selon Rabbi Yehuda, lorsque tu apporteras le korban hacham, on décidera est-ce que tu es riche ou tu es pauvre. Donc, il faut amener le hacham avant d'apporter le khatat, vraisemblablement. Et donc, selon ce moment-là, si après tu fais fortune ou bien tu t'appauvris, malgré tout, tu en posais d'apporter le korban, soit selon le moment, selon ton statut, au moment où tu as apporté le hacham. Ça, c'est pour la vie de Rabbi Yehuda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.